Salut tout le monde, c'est Argbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour une visite de map où cette fois-ci, donc là je suis avec un skin de, pas viking, non, avec un skin de nain, donc c'est une nouvelle série que j'essaie de lancer, un nouveau concept pour moi où j'essaie de visiter juste des maps en fait qui ont des belles constructions. Donc la map, je sais pas trop de quel côté elle est, donc là voilà, je me suis mis en mode cinématique comme ça. Pas encore mis de mode de replay d'ailleurs, donc bah voilà, donc pour le moment vous aurez pas grand chose de plus que la vue comme ça, mais déjà ça peut être cool. Et bon, la pluie est faite de base sur la map, donc je pense qu'elle est faite exprès. J'ai enlevé le gamma fait exprès aussi. Bon, apparemment c'est la base. Et du coup ouais, c'est une map naine qui mène sur la mer. Donc le nom de la map, voilà, si je vous le sors, je l'ai, hop, sous le nez. Donc c'est Dwarven City, donc voilà, je mets des petits screens à l'écran, donc voilà, donc normalement on devrait voir un truc du genre. Bon, ça c'est quand il fait beau, mais du coup voilà, du coup là on va essayer de trouver notre map. Bon là, si les mobs m'attaquent pas, évidemment je suis en créatif, parce que sinon ils m'auraient attaqué depuis le début. Là on va essayer de pas aller trop vite pour le moment. Voilà, bon, on essaie de pas aller trop vite en vrai, parce que là, le but, c'est quand même de visiter. En vrai, on n'a pas regardé tout là-haut. Bon, là, je regarde juste en haut. Ah, il neige là-haut. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi il neige là-haut? C'est quand il y a un bout de neige, normalement, que c'est censé neiger. Bon. En tout cas, on va avancer. Et puis, d'ailleurs, le prochain épisode, ça sera un peu plus immersif, normalement. Où je vais essayer. Ah tiens, il y a un coffre. On va essayer, on va l'ouvrir, tiens. Ouais, du coup là, bon, ça c'est ce qu'il nous donne de base. Hop, voilà. Donc là, on va essayer de l'ouvrir, parce qu'il n'y a rien. Ok, et normalement j'ai mis le bruit de la pluie plus fort. Donc la prochaine fois, j'essaie de faire un peu plus immersif quand même. Pour que ça soit plus cool. Donc là, voilà. Bon là, on court, mais tout à l'heure, on va peut-être moins courir. Parce qu'on sera devant le bâtiment, dans le bâtiment. Donc on va bien voir. Ah, c'est, je sais pas ce que c'est exactement. C'est une charrette. Bon, du coup j'essaierai une autre manière de présenter le truc en faisant avec la musique au son, et j'ai la musique aussi, sachant que là en plus c'est une musique. Je sais pas si elle est libre de droit, donc sinon je mettrai une autre musique à la place. Et pas libre de droit, et je mettrai le lien de la musique en description quoi qu'il arrive. Du coup là on va arriver vers le vers oh, des particules. Ah non, c'est la neige. Ok, on va arriver vers l'endroit normalement, donc hop, derrière cette colline peut-être. Oui, on va monter là derrière la colline, on va peut-être voir au loin. Donc il essaie de pas faire trop spacieux pour faire spacieux, etc. De toute façon vous avez bien en description, vous avez deux liens. Le lien Minecraft France, il me semble. Non, le lien Planète Minecraft. Et le lien. Ouais, bah c'est tout, il me semble. Ouais, juste le lien Planète Minecraft. Voilà, avec peut-être le lien du commentaire qu'il avait fait dessus. Ok, donc là. Bon, apparemment. Déjà, ça doit être par là. Non, c'est par où? Ah, c'est peut-être par là. Je sais pas. Vraiment, genre, je sais pas du tout. Ah, on a un éclairage ici. Ouais. C'est peut-être là-haut. Voilà. Oh yes. C'est ici. On va peut-être mettre un tout petit peu. En fait, j'ai peur que ça crache. Tout à l'heure, il me semblait que ça avait crash à cause de ça. Mais je suis pas sûr. Donc, on va mettre 8. Quoique, non, ça va crash à 8. Ouais, 6. 6, c'est pas mal. On laisse à 6. Et je vais pas open to land, sinon ça va encore plus prendre de chances de crash, parce que la map est plutôt grande. Là, il y a plus de pluie. Ouais, je crois qu'il y a plus de pluie. Donc, voilà, on arrive là. Donc, je mets normalement la musique, ou une musique du style, en musique d'ambiance. Ça en plus, dès que je prends mon air pour respirer entre les phrases, vous pouvez entendre la musique. Et dès que je parle pas aussi, vous pouvez l'entendre. Donc un petit escalier. C'est
côté, ok. Si on se met devant en fait, qu'est-ce que ça donne? C'est. Ouais, c'est bien l'ouverture qu'il a montré. Par contre, c'était vraiment l'ouverture de très très loin, je crois. Genre de là-bas, peut-être. Bon, avec plus de. Plus de visibilité. Du coup, de très très loin. J'ai autorisé les mobs à apparaître. Donc, il devrait y en avoir dans. Dans la map. La map a été publié enfin il y a une mise à jour il y a à peine 6 jours, donc on peut dire qu'elle est récente cette version de map. Voilà, donc, okay. Et d'ailleurs il met les mises à jour sur le site Planet Minecraft que je vous mets en description assez, bon, assez souvent ce que j'ai pu voir. Donc on peut rentrer par là. Ok, un petit escalier. En vrai c'est pas mal. Et en plus le truc des escaliers et tout, avec le mode que j'ai envie d'essayer de faire pour faire des cinématiques et tout avec, ça pourrait être cool après. Ouais, on va peut-être enlever les mobs. Ok, bon. Pardon. Du coup c'est pas grave, on va pas les enlever. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Y'a rien là-dedans. Attends non plus. Après, je sais pas pourquoi il nous a donné tous ces blocs là. Je sais pas, mais en vrai, ouais, ok. Pas d'endroit genre pour indiquer aux nains où est-ce qu'ils doivent aller. Je les arrive là. En face. Non, non y'a rien. Okay. En plus, j'ai toujours pas mis de terre. Le pire. Comme pensé, j'ai pas mis de timer pour moi pour savoir combien de temps ça dure. En vrai, elle va peut-être durer une éternité. Ah, la vidéo. On peut monter là-haut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, il a trouvé une technique pour faire cuire les fours à l'infini. Même avec rien. Ok, c'est tout ça. Nice. Ok. Du coup, la map est en 1.7.10. Hop, on accède le levier. Là. On peut monter. Hop, on monte. Ok, un autre mini dortoir. Allez. Là, si on monte. Si on monte là-haut. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, du coup, je parle pas fort. C'est pas parce que je dois pas faire bruit ou quoi que ce soit. C'est juste pour l'ambiance de la vidéo et tout. Je préfère ne pas parler trop fort. C'est tout. Comme ça, en plus, vous entendez un peu plus l'environnement avec la pluie et tout. En vrai, j'ai juste augmenté le son de la pluie ici, sur cette map, donc à voir quoi. Sachant qu'il n'y en a pas pour le moment, il y en avait tout à l'heure. On entendait un tout petit peu, pour que ça fasse un peu réaliste. Pas trop non plus la mettre, la pluie évidemment. C'est pour stocker leurs objets ici sans doute. Ouais. Là, ouais, ça, c'est pour la déco. Ah non, en plus, je vois. C'est de l'échelle, vu qu'en fait, ouais, quoi qu'il arrive, même les humains, dès qu'il y a un lit au-dessus de l'autre, pour monter, en fait, les lits superposés, ce qu'on fait, c'est qu'on monte des échelles ou un truc comme ça, là, il l'aime au milieu, comme ça, en plus, ça fait pour les deux. Et, bah, c'est faisable, alors que sur les côtés, je crois que c'est pas faisable, par rapport au lit. C'est pas mal. Ok. D'accord, bon, on va redescendre. C'est un peu sombre quand même. Du coup j'ai spécialement pour la vidéo j'ai baissé mon gamma, du coup la luminosité que vous voyez, celle que vous aurez vous de base. Ah, d'ailleurs c'est lourd, je vais peut-être mettre ouais non j'ai mis un game rule normalement, pas qu'il est lourd mais ok, on va rester en souterrain, de toute façon on est un nain. Ah, y a un mob qui est mort ici. On va rester en souterrain. D'accord. Là. Ok. Je sais pas ce que ça fait si je me prends une épée juste. Voilà, comme ça je risque pas de casser grand chose. Ouais, non, en vrai, pas la peine. Voilà. On va rester comme ça. Donc peut-être ma voix vous l'entendrez pas assez. Parce que du coup je serais peut-être un peu trop loin du micro. Donc, à la limite, dites-le moi.
Je verrai déjà pour voir au montage pour ajuster un peu. Ça sera volontairement quand même pas trop fort non plus. Donc là, on n'a pas visité grand-chose à la map pour le moment. On a des crânes et tout. Donc, il va falloir quand même que je regarde. Vu que j'ai vu un plan sur sa map. Donc, si, voilà. Je vais regarder le plan, je vous le mets à l'écran en même temps. Donc, ce plan-là. Donc voilà, hop, moi je le cherche du coup. Alors, je l'ai toujours pas en vue en vrai, mais du coup, bon, j'ai pas le plan. Bon, perso, je le trouve pas. Donc, je vais voir juste ce qu'il a dit qu'il y avait. Alors, en features, du coup, je vous mets les features aussi comme affichage. En fait, je vous montre les choses qu'il y a, quoi. Donc, map ville naine, voilà. Je suis pas encore sur le lien, mais bon. Du coup, hop, on va pouvoir se repérer par rapport au plan normalement. Ok, si le lien fonctionne pas, on est mal barré. On est vraiment mal barré. C'est pas grave après, sinon. Donc, ok, bon. C'est pas grave si ça fonctionne pas, du coup, pour moi. Hop. Normalement, vous aurez quand même la map en fait à quoi ça ressemble, vous. Pas moi, mais du coup, moi, je vais me balader un peu. Alors, je sais pas que la texture, j'ai l'impression qu'elle a l'air plus lumineuse comme ça. Les crochets, voilà, c'est ceci, hop, ça. Plus lumineuse en fait, j'ai l'impression que d'habitude. Après, je peux me tromper. Et en vrai, là, ça produit même les particules, quoi. Franchement, c'est bien. Après, ça fait style ASMR en plus le truc, limite. Mais non, en vrai, comme vidéo. Oh putain, pas mal, pas mal, pas mal. Pas de texture pack pour que ça rende vraiment hyper joli. Texture ressource pack, genre. Juste, hop, défaut. J'ai une tente médiévale. C'est peut-être lui en fait qu'il faudrait mettre. Tant que j'y pense. Voilà, si je mets ce. Ouais, 1.. Non, je suis en 1.7.10. Si j'avais pris la map en 1.12, oui. Mais du coup, je suis en 1.7.10. Et il n'y a pas des shaders? Non, les shaders en plus, c'est pas là, je crois. Bon, c'est pas grave. Ok. On va enlever les nuages. Parce que du coup, on voit quasiment que ça. Donc, Clouds off. Voilà. Pas mal. Ça descend. Ah, il y a des. Bon, j'ai pas Optifine, j'ai peur que ça fasse crash comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je crois que c'était à cause de mon modé que ça faisait crash. Du coup, il y a des chevaux en bas. Du coup, je peux pas zoomer là. Ok, pour descendre, c'est ici. Ok. Donc, c'est plutôt cool. Et du coup, oui, du coup, montage moins dynamique là. Et plus le fait d'être bah, reposé, calme et tout. Avec une musique normalement d'ambiance, plusieurs qui tournent en boucle. Ça c'est une salle des coffres. Ok. D'accord. C'est quoi, c'est à quoi ce truc? C'est tabouret? Non, c'est pas un tabouret. C'est pas ce bloc-là spécifiquement en fait, en face. Je sais pas à quoi il peut servir. Dans la déco, je sais pas non plus ce que ça représente pour ça. Là, on a des lits. Ok. Bon, peut-être je vais tourner un peu en rond en vrai. Ah, là-bas. On a un peu d'or. Bon. Ah, bah là, ils exposent bien leur or. Ça doit être les maisons. Non, c'est pas les maisons, si. J'ai l'impression que c'est les maisons en fait. Donc, merde. Je regarde pas au bon endroit pour ouvrir le coffre. Okay. Ah, non, on peut juste pas l'ouvrir. Ok. D'accord. Ouais. Ok. Avec un petit feu de bois ici. Enfin, un feu de bois, il n'y a pas de bois, mais c'est un feu qui mérite. Ouais, Neverack en dessous. On peut se balader un petit peu. Et là, ouais, là. Après, ça fait penser à dans le film The Hobbit.
avec leur piscine d'or et tout. Je crois qu'en fait, il s'est pas inspiré de ça, il me semble. Il me semble qu'il s'est inspiré d'une autre map Minecraft, le créateur de celle-là. D'ailleurs, c'est marqué sur le lien plein de Minecraft, normalement, sur le lien de la map. Normalement, vous le verrez dessus. Mais du coup, il s'est inspiré d'une autre map Minecraft, nain. De nain, en fait. Du royaume de nains. Et ce qui lui a permis de faire la sienne. J'arrive pas à savoir exactement à quoi ça correspond. Ça, c'est une table à manger, logiquement. Avec des verres. Peut-être des verres, c'est un bar. Ah, c'est pas un bar? Pas. C'est pas. Voilà. Bon. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un bar, en fait. Et d'ailleurs, ouais, en même temps, tant que j'y pense, ça me permet, cette série, du coup, de recentrer mes trucs où je regarde la déco et tout. Je le recentre un peu plus ici, du coup. Peut-être que je regarderai moins les décos sur Fortnite, par exemple, quand je jouerai. Ou même sur Minecraft, quand je jouerai des mini-jeux, je regarderai moins la déco et tout. Peut-être. Donc, au moins, ça peut être cool. Bon, les coffres, apparemment, sont tous vides. Ok. A priori, ils sont tous vides. Voilà. Là aussi. Et le dernier. Bon, ok. Ils sont tous vides. Je vais pas chercher les autres, parce qu'ils en ont caché un. Et ils ont demandé où est Charlie. En parlant d'un bloc, mais enfin, trouver le bloc, putain, trouver le bloc de diamant là-dedans, enfin, trouver l'émeraude, ou un truc du genre, enfin, un item, quoi, pas un bloc. Donc là, il est par là, donc là, on peut se déplacer par là, et peut-être que ça serait cool de prendre une map en fait, si je me give, genre, une map. Logiquement, ça l'affiche pas. Okay. Mais là, oh. Ah merde, ça l'affiche pas. Bon, okay. On va l'avoir comme ça du coup. Non, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose affiché là. C'est pas ce qu'il faut. Ok. Du coup, les visites vont prendre pas mal de temps sans doute. Et peut-être je les visiterai en plusieurs épisodes du coup tant que j'y pense. En tout cas pour le moment. Parce que celui-là, bon, je suis un peu paumé déjà. Ah. Et puis bon, c'est une première découverte. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Ah, nickel. C'est normal qu'on ait trouvé tout à l'heure. On était bien descendu. Ah ouais, on était descendu d'un étage, il me semble. Ou alors, je sais pas. Autant monter pour voir ce qu'il y a là-haut aussi. Alors, là-haut. Ouais, on sent qu'on était descendu. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on était déjà descendu. Bon, je suis en créatif. Je me permets de sauter jusque-là. Oh. Comme ça, c'est plus rapide. Voilà. En soi, en vrai, même les déplacements comme ça, je pourrais les faire à pied. Parce que c'est un peu réaliste. Et pour après incruster des petites visites comme ça. Bon, en soi, ça tremble un petit peu dès qu'on descend les marches. Mais ça, c'est pas très très grave. Donc. Elle fait des têtes. Ouais, ils doivent vénérer les creepers. J'imagine un barbare comme ça qui vénère des creepers. Enfin, un nain comme ça, pas un barbare. Mais un nain comme ça qui vénère des creepers. Ouais, ok. Sachant que les creepers lui explosent la figure normalement. Ou alors c'est peut-être vu que les creepers ont peur des chats, peut-être parce qu'il est barbu. En fait, le nain est barbu, c'est pour ça du coup, les creepers ont un peu peur d'eux. Et aussi les nains, comme les barbares, vu qu'ils ressemblent aux barbares là, avec ce skin, bah les nains ils. Enfin, les barbares et nains, quoi. Ils sont un peu des guerriers, quoi. C'est des guerriers. Guerriers dans l'âme. Peut-être j'ai évité de trop chuchoter là, parce qu'en plus j'ai toujours pas testé en chuchotant ce que ça donnait au micro, si vous m'entendez ou pas en plus.
Voilà, et si je pouvais améliorer le son sans que ce soit dégueulasse, le son de chuchotement. Ah. On est à un endroit pas mal ici. Donc là, on est dans une salle. Pas salle de banquet, putain. Je voulais penser me dire, ouais, peut-être une salle de banquet pas loin. Ah, c'est la salle du trône. Le trône, bon, le trône, pas trop démarqué non plus. Il est pas comme le reste en émeraude et tout. On le voit un peu moins bien présenté. D'ailleurs, ça serait cool si je mettais un mode dans ces visites pour s'asseoir sur les bancs et tout. Parce que devrait y avoir des bancs, des trucs réalistes et tout, les trucs du genre. Comme ça, on peut s'asseoir sur les on pourrait s'asseoir sur les escaliers pour du réaliste. Ouais. En vrai, il a bien fait. Il a adapté par rapport au fait que là, on puisse pas s'asseoir dessus. Et que du coup, non, même. En vrai, je sais pas. Peut-être qu'il est considéré comme grand, en fait, le nain. Comme imposant par rapport au reste. Puis, enfin, par rapport au fauteuil. Et que du coup, il met le dos vraiment grand. Du coup, le bas, ça a pas trop de sens. Il le met si bas. Il aurait mis pour moi un bloc plus haut, justement, le bas. Que ça aurait été justifié. Mais là, du coup, ouais. Là, c'est parce qu'en fait, le mec est debout sur son trône. Il doit manger devant, en fait. Voilà, comme ça, il mange devant. Enfin, bon. C'est un flemmard quand même, mais il doit quand même s'avancer pour manger. Voilà. Ouais, en vrai, c'est un flemmard vu que là, en vrai, s'il fait ma taille, là, t'es pas mis en valeur du tout. T'es pas mis en valeur. Dès que tu regardes en face, t'es pas mis en valeur. Parce qu'on te voit pas en entier. Là, on te voit en entier. On voit ton skin entier. Là, t'es mis en valeur. Voilà. Là, c'est bien. Voilà. Ok. Donc, ouais, les visites, je les découperai en plusieurs parties, logiquement. Donc là, bon, ça va bientôt être la fin de la première partie, normalement. Après, peut-être qu'entre chaque partie, du coup, je pourrais me perdre pour les plans et tout. Mais du coup, voilà. C'est pas... Pour le moment, c'est pas trop perdu, en tout cas. Et normalement, il y a des plans pour les maps visites. Parce qu'il y a des maps spécialement visites, justement, c'est pour ça que je prends ça. Ah, c'est beau ça. Oh putain, j'ai envie de. Ouais, j'ai envie de descendre par là-bas. Ça, ouais. En vrai, tac. On va passer là. C'est beau. C'est beau ce truc. Franchement, il a même fait souci du détail. Bon, juste ça. C'est pas assez. Non, en vrai, c'est fait exprès. C'est fait exprès ce pilier-là. Mais en tout cas, en dessous, c'est pas mal. Là, on a une entrée d'ailleurs. Je crois qu'on peut pas y accéder autrement par là. Je viens de voir si c'est un truc fait exprès ou pas. Si c'est fait exprès, ok. Ouais. Ça a l'air d'être fait exprès. C'est des mines. Ah, ça a l'air d'être des mines. Oui! Elles sont belles, les mines. Elles sont belles. Bon, j'ai pas de texture pack, que ce soit pour rendre un peu meilleur. Mais elles sont belles. Et là, ouais, il fait pour rendre bien. Et là, on retrouve le bâtiment. Ouais, donc je vais éviter de couper les bâtiments en plusieurs pour passer d'un endroit à un autre, sinon je vais me perdre. Donc là, pour moi, je ne suis pas perdu. Un petit dortoir. On va pas monter sur les tables. On n'est pas. Si, si, on est. Ouais, on est comme un viking en fait. On a un thug life. Les vikings sont des thugs. Enfin, les vikings s'en foutent des lois. C'est des gros barbares, donc ils s'en foutent, ils montent sur les tables. Voilà. Enfin, en vrai, c'est un nain, pas un viking. Mais je dis ça juste parce que le nain ressemble fortement à un roi viking. Et sur les côtés du skin, si je me trompe pas, hop, on va assez vite pour les voir. Oui, on a un petit casque de viking. Normal, voilà. Oh, les chevaux! Ah, ils sont beaux. Ah, non, c'est pas ceux qu'on avait vus tout à l'heure. Ils sont beaux. Ils sont beaux, ces chevaux. Ah, c'est le monde dessus, waouh.
Il va me dire non, je suis sûr non. Non, il dit pas non. Ah ouais, bon, il dit non là. Il va peut-être après autoriser qu'on l'apprivoise. Ok, bon, je vais partir. Hop, voilà. Je te laisse un peu tranquille. Bon, là, l'épisode va durer sans doute longtemps. Donc là, on a une mine assez longue. Ok. Sachant que là, putain, je sais pas, mais j'arrive pas. Pour le moment, j'arrive pas du tout à couper la vidéo. Pourtant, je considérerais sur d'autres types de vidéos que c'est une vidéo beaucoup trop longue, plus. Mais là, perso, je kiffe ce type de vidéo aussi. Pour le moment, en tout cas, j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. Avec là, ces trucs de rangement, ouais. Ces trucs en mine spécialement, je crois. C'est pas le truc un truc comme ça. C'est pour les mineurs et tout. Qu'est-ce que c'est exactement par contre? C'est pas trop me demander. Il a mis juste une toile d'araignée sur tout le complexe. Pour le moment, dans ce que je joue. Pas énorme. Donc là, on a d'autres endroits, d'autres mines. Ok. Et du coup, si on peut faire des maps, ça serait cool. Si on trouve des maps sur chaque. Enfin, des maps en jeu pour se repérer. Ça serait cool. Assez clair quand même. Avec les noms des endroits. Ok, alors qu'est-ce que. C'est un début de mine, ça. Ouais, c'est un début de mine en fait. C'est genre les mecs qui viennent de. Voilà, creuser la porte. Et bon, aussi le reste un peu autour. Et là, ils allaient continuer à miner. Ouais. C'est pas mal. En vrai, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, c'est des. C'est comme des images qui ne vont pas bouger. Genre, c'est le truc qui va se figer. Du coup, c'est plutôt beau. Comme ça, on peut figer des mondes et puis on se balade en 3D dedans. En fait, faut quand même se rendre compte de ça, Minecraft permet de figer des mondes et de se balader en 3D dedans. Donc, vous pouvez très bien, sachant qu'il y a même, d'ailleurs je mets le lien en plus en description vu que j'en parle, il y a même un site qui permet de, site internet qui permet de transformer votre région où vous habitez, en fait, votre zone où vous habitez, votre ville, en map Minecraft. Donc c'est grâce au truc GPS. Bon, il n'y a pas l'intérieur des bâtiments normalement, mais c'est quand même l'extérieur et tout, c'est plutôt pas mal. Et du coup, c'est plutôt ça que j'ai l'impression que c'est ça que j'aime bien. Blacksmith, no apprentice. Ah, la forge avec pas d'apprenti. Ah merde, je croyais que c'était genre on pouvait ouais, je vais essayer d'ouvrir. Ouvert. Je croyais que genre on pouvait apprendre et tout. Oh putain, j'ai jamais vu un four comme ça. En vrai, pas mal. Bon, il y a juste le feu, on en voit deux au lieu d'en voir un seul. Mais c'est pas mal, ouais. Là, volontairement, on voit pas l'eau comme on est loin et quand on se rapproche, on la voit. C'est pas mal. C'est cool, c'est cool. Là, ouais, bon, rien qui chauffe. Je sais pas si ça arrêterait l'animation de chauffage si on mettait vraiment un truc à chauffer. Mais j'ai pas envie de faire ça. Donc on va laisser ça comme ça. Et d'ailleurs si je prends Shift Ctrl, ça me donne pas de NBT. Donc c'est un four normal. Okay. Juste un four normal, il a réussi à faire à côté ou un truc comme ça pour que ça fasse l'animation de chauffage à l'infini. Ah bon, là il y a des creepers et tout. Hop, bon, lui voilà. Il meurt. Regardez, il part bien là. Du coup, il n'y a pas moyen de descendre. Là, en vrai, on est en train de se balader à peu près où on était tout à l'heure, près du lac de lave et tout. Donc, on s'est pas trop perdu. Là, ok, la mine, j'ai déjà vu, je crois. Donc, là, on peut se balader un peu par là. Ah, et là, c'est. Ouais. On peut pas y aller. On peut pas y aller à pied. Je sais pas si on est déjà passé par là. Mais ouais, du coup on n'y est pas allé à l'ensemble. Et du coup en plus de ces visites sans doute, peut-être en plus ou à la place pour certains épisodes, je verrai. Je pourrais mettre des trailers. Ah bon, on est déjà allé là. Je vais faire
fermer la porte derrière moi quand même. Je pourrais mettre des trailers, des trucs comme ça, des visites de map en. Ah, en mode timelapse en fait, et tout, trailer. Non, non, timelapse c'est un truc en accéléré. Enfin, timelapse, oui, c'est possible. Bon, c'est beau de loin avec le brouillard quand même. Et enfin, avec la rendue à distance, c'est beau. Donc, je pourrais mettre timelapse et aussi. Ah, en fait, c'était pas la même mine. Timelapse et aussi. En fait, juste des visites de la map sans que ça tremble comme ça avec une musique derrière quoi, tout simplement. Donc voilà, donc ça pourrait être cool. Et d'ailleurs là ma voix normalement devrait être un peu augmentée quand même par rapport à la musique et tout, mais en soi ce que je pense en vrai, le brouillard fait tellement bien. Le rendu à distance comme ça fait tellement bien en sous-sol. Ça rend tellement bien ça. Putain, j'ai même pas fait exprès rendu à distance comme ça. C'était juste. Ok, bon. Du coup, on peut se déplacer ici. Je sais pas comment on peut y aller ici. Donc on se déplace comme ça en volant. C'est pas grave si on se déplace en volant, du coup, en fait. Parce que, bon, si on n'arrive pas à trouver par où passer, autant y aller. En volant, c'est plusieurs mines à peu près pareilles en fait. Et là, ok, donc là, on va aller en face. Je crois qu'on n'y est pas allé. Voilà. Et là, ok, on peut avancer par. Non, on est déjà allé par là. Ici, on n'a rien là-bas. Ah, on n'est pas allé là vu qu'il y a des toiles d'araignée et tout. Si on est déjà allé. Non, ok. Donc bon, je vais peut-être courir un peu. Je vais me balader. Je vais. Là, on est déjà allé. Là, par contre, oui, aussi. Mais du coup, c'est peut-être là qui nous permet de monter. Voilà. Là, c'est pas mal. Ah, mais en vrai, c'est les mêmes chemins quand on regarde ici. Ils sont reliés. Ah, voilà. Là, on s'écarte un petit peu. On devrait peut-être remonter un moment. Et voilà. On a plusieurs intersections. Ok. Ok. Donc, ouais, il a fait pas mal d'éléments. En fait, ça se ressent quand même un truc comme ça. Donc, bon, il a dû faire un peu plus vite, ça. Mais pour le reste, façonner la map et tout, c'est un peu plus galère. Surtout que c'est du MC Edit. Bon, il doit gérer s'il l'a fait avec MC, t'es pas en jeu forcément. Mais quand même, ça doit demander un boulot considérable. Ok, du coup, on va se déplacer, voilà. On va aller par là-bas. Et du coup, ouais, en vrai, timelapse et tout, vu que j'ai vu comment fonctionnait le mode replay mode, en fait c'est assez simple, faut juste se connecter sur le monde avec le mode. Oh putain! Un squelette sur une araignée. Et voilà, se connecter sur le monde avec le mod. Et ensuite, se déconnecter. Et ensuite, on peut éditer la caméra et tout avec un éditeur qui a sauvegardé tout ce qu'on a fait sur la map. Et tout ce qui s'est passé, donc toutes les entités et tout. Donc c'est plutôt cool. Pour le moment, j'ai pas encore testé. Je viens juste de l'installer. J'ai pas encore mis. Ok, on est déjà passé par là. Bon. Je vais monter en game mode 3. Voilà, dernière partie normalement. Hop. Voilà. Hop, dernière partie de la visite normalement. S'il n'y en a pas beaucoup en plus. Voilà. Ah, ça veut pas 3. Ok. Ouais, parce que du coup, je suis en point 7.10. Ok. Je penserai à visiter mes maps forcément à 1.12. Et du coup là, si on se téléporte tout en haut ou à la limite si on trouve notre chemin tout seul, ce qui sera peu probable là, parce que là je vois mal, peut-être ici,
En vrai, c'est l'air d'être un chemin central. C'est peut-être ici pour remonter. Ouais. On peut passer par là. On a ça. Ok. Ah! D'accord. C'est de la lave aussi. Ah! Un autre truc là. Donc c'est à peu près. Ouais, c'est pareil en fait. C'est pareil ici. C'est aussi mine. Voilà, donc il a mis quelques défauts dans le sol de temps en temps aussi. Pour faire plus réaliste. Donc là. Ah, je crois qu'on est déjà venu ici. D'ailleurs. Ouais, on est déjà venu ici. Donc, je vais fermer la porte. Voilà, je laisse dormir. Donc. Là, voilà. Un peu de charbon aussi. Et là, voilà, on peut remonter. On a trouvé tout ça. Tout seul, on a réussi à retrouver l'endroit où c'était. C'est cool ça. Du coup, on va pouvoir retrouver la sortie. Nickel. Bon, en vrai, je crois qu'on n'est pas descendu par là. Mais, du coup, c'est un moyen de remonter comme un autre. Voilà. Ah, un autre... Ah! On n'avait pas vu cette salle, ça doit être la salle à manger. Peut-être. Parce que je vois plein de cheminées. Pour moi, ça peut être salle à manger avec plus d'espace. Mais avec les tables. En vrai, ils peuvent être grands et puis manger sur ces tables, mais. Non, c'est pas des tables. C'est des étagères, je crois. Parce qu'il y a le haut là, un trou, et le bas, un trou. Parce que comme on a dit tout à l'heure, ils auraient pu être haut parce que il y avait le trône du roi des nains qui était tout tout grand en fait, hyper grand quoi. Il fallait être debout quoi pour que même pas en fait il soit à notre taille, qu'il soit juste plus grand. Ah, une fontaine, on n'avait pas vu ça. C'est le bas, voilà, on est en bas là. Ok, donc en gros il y a un bas encore plus bas pour les mines après qu'on a pu voir tout à l'heure et pour la lave, enfin pour la lave et tout pour les trucs de lave. Donc là c'est d'autres mines d'ailleurs. Voilà, donc on a les mines plus profondes en bas. Bon là je cours pour aller plus vite quand même, mais du coup on a les mines plus profondes en bas. Surtout que là c'est les mêmes paysages à peu près partout. Du coup, voilà, j'essaie de... Ah, voilà, c'était ici, l'endroit qu'on avait vu. C'était ça qu'on avait vu, voilà. Ah, bah, il y a une prison. Non, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Et là, on a un petit balcon. Avec là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Il y a des feuilles. Ils mettent des feuilles en intérieur, les nains. Bon, ok. Et là, on a la même chose, sans doute. Non, c'est un truc un peu différent. C'est un autre endroit pour se rassembler pour les nains. En fait, il y a beaucoup d'endroits pour se rassembler pour les nains. C'est juste une maison, du coup. Parce que s'il y en a autant, c'est peut-être pas ça. Donc, bon, okay. Peut-être un bar, un restaurant. Non. Non, c'est des balcons. C'est des balcons de nains vers le truc de l'avant-bas. Donc là, ils ont des dîners romantiques à 4. Bon, c'est pas trop romantique à 4 non plus, mais... Genre, il y a deux couples de chaque... Un couple de chaque côté. Ceci est romantique. Ou alors, c'est... C'est pas un couple, c'est un quatuor. Là, ok. Ah, ben voilà. On a des tableaux en plus. Squelette. Ok. Et le truc, c'est qu'il aurait pu utiliser un mod pour mettre ce SketchMap. Non, c'est un plugin d'ailleurs. Donc peut-être qu'il fonctionne pas en mode. Pour mettre des images extérieures à Minecraft dans Minecraft. Des images qu'on veut, quoi. Comme ça. Même si elles sont... Même si elles sont grandes de base et du coup on pense qu'elles seraient pixelisées. Ah bah. On n'avait pas vu ça, on allait le louper. C'était.
C'est génial. C'est génial. Et en vrai, c'est trop bien que je dise que je pense c'est cool que je dise c'est génial et tout. Parce que du coup, je montre en même temps mon ressenti face à ça du coup. C'est génial. C'est cool ça. Sachant que pour les trucs où j'essaie de rager, j'ai un peu du mal à rager en ce moment. Parce que je me dis que de toute façon, je vais forcément réussir des trucs comme ça. Par exemple, Super Meat Boy. Je suis pas trop rager. Bon, je vais essayer d'un peu plus rager comme avant je rageais. En jeu, plus me libérer. En vrai, je le ressens quand même. Le truc, c'est que je me dis, bon, c'est pas grave. On va essayer de s'améliorer. Ou sinon, je me dis, dès que j'arrive pas à faire un truc. Ah bah en fait il est là le vrai trône. C'était pas le vrai trône l'autre. C'est ça. C'est complètement ça en fait. Non en fait, ils se ressemblent. C'est le même. C'est quasiment le même. C'est le même en plus petit. Ah, je sais. L'autre, c'était le banquet. Ici, c'est la salle de mariage et tout. Non, bon, mariage, oui. Le palais. C'est le palais du roi. Enfin, le palais, c'est pas un palais non plus. Mais c'est la salle du royaume, la grande salle du royaume. Enfin, la grande salle non plus, c'est... Voilà, c'est... Oh putain, oui! Carrément, il a fait un bâtiment en dessous. Il a fait en sorte que ça ressemble à un vrai bâtiment qui démarre en dessous ses fondations. Oh putain, yes. On aime ça et qui monte du coup en haut et qui soit incrusté par la pierre. On aime ça. Oh yes. C'est quoi là? C'est une chambre. Ça doit être la chambre de la reine, la princesse. Non, c'est juste une fenêtre, ok. Et ouais, en vrai, putain, ça rend trop bien le blé comme ça. Avec le palais à côté. Ça rend vraiment trop bien. C'est dommage que j'ai pas le pack de texture médiévale. Mais du coup, j'essaierai d'adapter le pack de texture comme là, j'ai pris par exemple le skin de nain pour adapter. Pour adapter à la map. Voilà. Du coup, ça me permet en même temps de vous parler un peu. Tranquillement. En soi, c'est plus visiter la map du coup qui est intéressant. Et du coup, je parle aussi tranquillement. Ok, c'est un coin. C'est un bout de la cheminée là, non? C'est pas un bout de la cheminée. Ok. C'est. Ah! J'aurais dit que ça ressemblait à un totem, un personnage, un truc comme ça. En fait, non, il l'a peut-être pas fait exprès que ce soit un. Style visage, le truc du genre. Non, 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 en vrai, ça ressemble pas trop à un visage. Si, peut-être. En vrai, si on a l'imagination, on penserait que ça, ici, c'est une moustache. Ça, c'est le nez. Les yeux, les trous derrière. Du coup, la tête, peut-être le chapeau là-haut. Voilà, un truc du genre comme ça, ce qui ferait un truc pas mal. Ouais, ça fait un truc pas mal. Bon, même comme ça, de toute façon, je sais qu'il l'a pas fait exprès et que même ça ressemble pas trop à un visage en vrai, mais du coup, c'est quand même beau comme ça. C'est pas mal. Ok, et d'ailleurs, tant que j'y pense, pourquoi pas, vu que je viens d'y penser. Ces maps là comme ça, pourquoi pas essayer de les mettre sur le serveur pas en mini-jeu des trucs comme ça, mais genre à chaque fois que je sors une vidéo comme ça des trucs comme ça, je la mets en map visite possible sur le serveur Minecraft. Donc si vous êtes chaud, comme ça vous pouvez visiter comme vous voulez et à la limite du coup je vais faire en sorte que vous puissiez cacher les autres joueurs dès que vous visitez, comme ça bah vous visitez tranquillement sans voir les autres joueurs en plus. Et vous pouvez vous aussi faire vos replay mode dessus.
avec vos amis en plus si vous voulez, avec vos skins et tout en plus, ou tout seul, en solo, voilà, comme vous voulez. Ça, ce sera comme vous voulez ça, ou faire vos records tout simplement pour garder la map et tout. Bon, évidemment, je pense que j'enlèverai les mobs. Enfin, on va se passer. Je sais pas. Je mets le premier sondage. Du coup, est-ce que ces maps-là, je les mets sur le serveur? Donc, pour le moment, je pense durée déterminée, temporaire pour chaque map, d'un épisode à l'autre. Et après, peut-être possibilité de choisir les maps dans un inventaire pour se faire téléporter à la map qu'on veut. Voilà. Donc, à vous de décider pour ça. Ah, c'est quoi ça? C'est un temple. En vrai, ça peut être l'entrée d'un temple ou truc du genre, vu les motifs là-haut, la forme en plus. Mais non, c'est la mine. C'est la mine, je crois. Il semble que c'est la... C'est la mine. Oui, c'est... Entrée de la mine. Là, en vrai... Ouais, non, pas forcément. Si. Mine, mais ouais, du coup, là, elle est un peu plus réaliste que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Parce que là, en plus, il y a des crânes. Du coup, je viens de réaliser, je crois que ça fait à peu près 1 heure que je suis sur la map, en train de visiter. Mais du coup, bon, là, j'aurais pas fait je l'aurais pas cut en plusieurs bouts, normalement, celle-là. Mais les autres, je l'aurais des cuts en plusieurs bouts. Et du coup, pour la. Pour évidemment, si je mets le truc sur le serveur Minecraft, les maps, ça va être divisé en plusieurs parties. Enfin, ça va compter par rapport à genre en gros là la map naine. Par exemple, après j'ai une map disons futuriste. Bah en gros, dès que j'aurai fini toutes les maps naines et que je passerai à au premier épisode de la map futuriste. Je changerai la map sur le serveur quoi, voilà. Si on fait en temporaire. Ou je l'ajouterai la nouvelle tout simplement. Voilà. Ce qui paraît logique en fait. Mais du coup voilà. Et du coup le second sondage, c'est est-ce que je laisse les mobs apparaître ou non? Sachant qu'ils vont vous faire aucun mal normalement. Les zombies devraient pas vous attaquer non plus. Parce que du coup je vous mettrai en créatif sans rien pouvoir casser et tout. Donc il pourrait rien vous faire. D'ailleurs, dès que vous allez casser des blocs ou quoi que ce soit, pour pas que ça pollue votre chat pour ceux qui veulent faire des records ou des trucs du genre, ça va mettre aucun message. Quand vous rejoignez le serveur, pareil, normalement. Peut-être juste au début, Welcome to Dwarf, enfin un truc du genre. En title juste. Mais du coup, normalement, je vais essayer de limiter ces messages si je le fais. Et bon, déjà ce serait pas trop compliqué à faire. Et ça permettrait de faire des trucs plutôt cool. Enfin, ça permettrait pour vous de visiter les maps en même temps aussi. Voilà. Donc, ça pourrait être cool. Et d'ailleurs, si vous avez des maps aussi à m'envoyer que vous faites, que vous avez fait, bah n'hésitez pas à me les envoyer tout simplement en fait. C'est libre à vous, que ce soit une map visite, une map de jeu. N'importe quoi. Pour les maps visites, je pourrais les faire visiter. Les maps de jeu, je pourrais les mettre temporairement sur le serveur en plus d'y jouer en vidéo. Je pourrais les mettre temporairement sur le serveur en jeu, si c'est possible. Des trucs du genre, quoi. Sachant que les maps de jeu, bon, ça sera un peu galère si c'est pas automatisé. Pour que ça automatise. Genre, il n'y a pas forcément besoin que ça soit automatisé, expligoté et tout. Vu que de toute façon les maps comme ça seraient sans doute avec commandes blocs et tout. Donc juste à mettre un style serveur automatisé dedans. Vous mettez juste un panneau pour rejoindre votre jeu sur votre map dès qu'on la rejoint. Et puis ça fait l'affaire en fait. Voilà. Avec le panneau qui rejoint et du coup on peut rejoindre comme ça et on rejoint du coup. Bon. Il y a la masse des mobs ici quand même. Ok. Bon, bah en tout cas, voilà, on va essayer de peut-être sortir d'ici, si on y arrive. Sachant que apparemment on est peut-être le genre qu'on entend la musique. Enfin j'entends la musique du jeu. Oh, ouais, j'entends la musique du jeu, du coup on est peut-être le jour.
Voilà. Et d'ailleurs, les épisodes comme ça, pour qu'il y ait quand même, pour pas que ça fasse trop d'épisodes en plus, je les mettrai épisodes de 30 minutes, logiquement, je pense. Donc, voilà. Parce que si je mets épisode de 20 minutes, c'est beaucoup trop court. Ok. Bon. Je crois que c'est par là pour s'en aller. Ah, c'est peut-être là. Voilà. Ça doit être par là. Ok. Voilà. On peut s'en aller. Logiquement, ici. Alors, je dis bien logiquement. Je pense que c'est par là. La sortie doit être par là. Ok. Voilà. Là. Ah! Bon, il y a quelques trucs qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Pas mal ce type de ça. Il a voulu mettre des flambeaux, un truc du genre, je crois. Ah, oh, un zombie village. Il a voulu mettre des flambeaux ou un truc du genre là. D'ailleurs, les mobs, peut-être ils sont apparus normalement, faits de base par la map. Donc, si vous répondez dans le sondage que vous voulez pas de mobs, j'essaierai quand même de garder ces mobs là. Voilà. Sachant qu'ils ont été générés de base en fait. Voilà. Sachant que du coup, je fais juste game rule. La game rule pour pas qu'ils apparaissent, je verrai la map du coup, je la mettrai comme ça, et du coup voilà, s'il y a des mobs, c'est-à-dire qu'ils sont prévus de base dans la map, voilà, normalement, voilà, ou alors qu'il a oublié de les enlever, mais du coup je vais voir les enlever du coup si vous voulez pas qu'il y ait de mobs, bon. Bah moi je peux pas trop me déplacer. Bon, on va remonter à la surface. Donc là on se TP 328. Ah, on est déjà en 102 là. Ouais, on est assez haut quand même. Bah 240 et 2000, 2375. Ok. Voilà, on est au-dessus. Bon, ça a l'air un peu cubique en haut quand même. Mais du coup, voilà, on est au-dessus là. Et du coup, voilà. Du coup, bon, je sais plus trop où il est maintenant. Il doit être à la suite du chemin là-bas, il me semble. Ouais, il était à la suite du chemin. Donc, voilà. C'est enfin la fin de la vidéo. Donc les arbres aussi, je crois il a dû les faire lui. Je crois il a dû tout faire lui-même sur la map en fait. Voilà. Donc ouais, c'était là-bas. Là, on va au moins aller jusque l'endroit où c'était. Bon, voilà, je vais enlever le curseur. Donc où est-ce que c'était? Si j'arrive à le trouver rapidement. Sinon c'est pas. Ah voilà. Sinon ça aurait pas été grave. Donc voilà. Et en plus il y a de la neige. Et c'est à peu près dans le thème de en ce moment, surtout qu'il a neigé il y a pas longtemps et que j'ai fait une petite vidéo à l'arrache, bon, c'était une vidéo de l'année dernière comme GamingRB avait pu le remarquer en commentaire et avait pu le dire parce que lui il le savait de toute façon que je l'ai publié avant déjà, mais juste enlevé. Mais du coup maintenant bon, pour les vidéos comme ça genre c'est la vidéo boule à neige. En soi, je m'en fiche qu'elle soit sur Internet, même si ça peut devenir un mème, etc. Je m'en fiche. Voilà. Enfin, je m'en fiche quoi, ça va pas trop m'atteindre à me dire ouais, mais pourquoi ça, etc., etc. On va se moquer de moi et tout, non. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On va se mettre ici, voilà, c'est pas mal. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Ah ouais, dès qu'on clique, ça nous met directement dans un sens comme ça, genre là, voilà, tac, je clique, et hop, ça boucle le corps. Ok. Bon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Donc là pour le coup c'est les personnes qui sont
intéressé par ce type de vidéo précis parce que y a pas ça doit être une niche seulement, ça doit pas être beaucoup de monde, ou alors ça doit être de temps en temps seulement et pas tout le temps que vous êtes intéressé par ce type de vidéo. Du coup, n'hésitez pas à la partager quand même à vos amis, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Largo. Au revoir. Du coup, je fais une outro différente pour ce type de vidéo, voilà. Donc, ou alors, tchuss.